Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, gros coup de chapeau pour nous toutes. Nous comptons, yon la fois encore, et rejoignez-nous sur Channel Poland, TAC 509, tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. N'a continué par les pays, n'a continué et porter information pour vous, dans souci pour nous kembeo informer. Nos derniers jours, nous remarquons, pas bon côté, équipe qui en place, pas bon côté, gouvernement premier ministre Garry Conille a gagné un ensemble de considérations à faire dans question insécurité dans dossier gang dans dossier bandit. Gros bagage extrêmement important qui a attiré attention et dans la cou la caille dans pays d'Haïti gros petit proverbe créole grand moun yo toujours aimé utiliser mené kou lève l'école la c'est youn fel chita c'est deux. Hier soir, Premier ministre Garry Conille fait une adresse à la nation côté gouvernement, il a décrété état d'urgence sécuritaire et dans pays et surtout dans plusieurs départements, dans plusieurs localités côté bandi a taillé banda. État d'urgence sécuritaire ça pour moun qui connaît qui a suivre, pour moun qui connaît stratégie politique et également stratégie de sécurité. Donc, nous t'attendons une décision ça, et son décision qui peut-être est prend un pile temps avant de venir. Mais faut que moi dis donc, démarche équipe Premier ministre Garry Conille, si pour yo démarche ça, li pral aider, li pral favoriser dans combat gang, dans combat insécurité, eh bien, pour un pile l'autre monde parmi yo, il y a un ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. Qui était quoi lui-même si Premier ministre Garry Conille avec équipe qui sous pouvoir fait appel avec lui-même eh bien lui déjà te gagné un plan de sécurité spécial lui te décidé pour te partager avec pays pour te mettre en place eh bien même plan ça gouvernement qui là des bagages yo ka utiliser là-dedans pour aider le plus rapidement possible rétablir la paix et sécurité en dedans pays. Mais il y a pile question qu'a posé. Dans dernier jour ça yo, nous ka remarqué nèg exam yo, nous ka remarqué bandi yo précisément nèg yo yo pi confiant. Yo gen plus confiance dans tête yo, yo pi confortable dans activité criminelle y a fait y a régler en dedans pays yo. C'est comme si chaque coup premier ministre li adresse la nèg exam yo pour di bandi yo déposer zame, reconnaître autorité de l'État. Eh bien, pour bandi yo répond, gouvernement qui l'a, eh bien, bandi yo, nan action y a posé, nan déclaration en pile fois Jimmy Cherizi alias Barbecue souvent fait, nous pral senti que nèg exam yo, c'est yo même qui voulait remplacer l'État, et en pile fois yo même mette yo comme autorité, comme de véritable autorité en dedans pays. On nous garde avec moi, Antique si la. Antique si la, li pral mette toutouni, yon ensemble de dérives peut-être qui gagne en dedans. Institution la police qui rapidement ta supposé et prend en considération pour yon résoudre li, pour éviter toute opération, toute intervention la police a bien pour faire, pour éviter opération sa yo filtré, pour bandi yo pa gen tan intercepté à l'avance, bataille la police, plan stratégique que la police a gagné pour utiliser. Je n'ai pas constaté, dans l'article sa qui te sorti dans la date 10 avril 2024, que Aibo Post même li te écrit, yo bay article comme titre les gangs pirates les radios de communication de la PNH. Et dans l'article ça yo t'a pral décrit 1 2 3 4 yo t'a pral bay un ensemble de détails sous comment bandi yo fait river intercepter moyen communication ligne de communication que la police lui-même l'a utilisé dans cadre d'opération, dans cadre plan de sécurité qui t'a gagné en dedans institution la police. Et l'homme t'a pral pour un petit temps pour me lire article, l'homme t'a pral mettre deux mains en tête pour me reler en moi ici c'est comme ça. La police gagne raison à voyer votre déjà la police gagne raison pas qu'à bailler résultat parce que la police pas gagne une ligne sécurisée. Le y a mené opération, le y a une intervention, yo pral vè, le y a dit yo pral traquer bandi, et bien à l'avance bandi yo déjà connaît qui ça pral passer, qui ça ka planifier.
Et hier, nous avons remarqué, nous avons vu pour une vidéo sur ça tout à l'heure, appel premier ministre Gary Conille, lui-même, il fait par bon côté, médias en ligne, par bon côté, reporter, médias en ligne. Nous avons gagné pour une vidéo sur ça. Mais nous prenons le fait, nous prenons survoler l'article si là. Qui ça qui dit dans l'article ça? Ils ont des professionnels les aidant à configurer leurs appareils, témoignent à Ibopos un policier au courant des efforts technologiques des criminels. Bandi yo gen des professionnels, bandi yo gen moun ki kon domaine radio communication, moun ki kon domaine canal de communication la police a utilisé. Eh bien, yon gen moun ki a fait configuration pour yo, qui a mette radio communication et moyen bandi yo a utilisé, yo mette yo pour yo non seulement utiliser en pile fois fréquence la police pour yo tande le la police et yo même yo a préparé opération mission, mais tout bandi yo gen propre canal pa yo, gen propre fréquence pa yo utilisé pour yo communiquer. Barbecue ka son fréquence, ISO son fréquence, vite l'homme gen fréquence parce que li vin courant journée jodi an la tout nèg exam, chaque base yo gen moyen propre, yo gen moyen de communication qui propre à yo même. Pour communiquer, m'appli pour nous mes amis. Pour communiquer entre eux, la plupart des gangs de Port-au-Prince font usage de radio de communication. Ils ont des professionnels les aidant à configurer ces appareils, témoigne à Ibopos un policier au courant des efforts technologiques des criminels. Selon l'agent d'une section départementale de la police judiciaire et un autre policier de Port-au-Prince, des gangs ainsi que d'autres acteurs en possession de matériel adéquat écoutent régulièrement les communications radio de la police, ce qui représente une menace grave pour l'intégrité des opérations. Si bon di yo attendent régulièrement, yo sous fréquence la police, yo attendent leur commandement la police à communiquer entre eux dans cadre d'opération. Yo attendent des policiers peut-être qui a demandé renfort. Yo attendent des policiers qui a bail positionnement yo tout ça. Donc déjà là, opération qui t'a mené, opération peut-être yo t'a pral faire, li déjà compromettre. Et si ou commandement la police pas réalisé à temps que gen l'autre moun ki monte sous fréquence yo, gen l'autre moun kap utilize même fréquence avec yo, policier sa yo kap monte nan chablende, policier sa yo kap monte nan nan zoreken yo ki pral nan fièv bandi yo, et bien c'est là-bas toi y a voye yo, c'est à la boucherie y a voye yo. Moi retourner sur article si là non moment déterminant pour nous. Parce que le premier ministre Gary Conille déclaré état d'urgence sécuritaire là, c'est dire dit eh bien pays d'Haïti nous sous bataille. Nous nan combat, la police nan combat. L'armée d'Haïti nan combat. Et en connaissance de cause, compatriotes haïtiens frères et sœurs, il est extrêmement important déjà pour CSPN non jouer rôle li pour CSPN non jouer partition. Premier bagage moi même t'ai attendre que gouvernement ou bien DG la police Ramon Dormil t'a pral faire c'est rapide vite font vetting dans la police parce que pendant tout temps elle be passé dans cette institution n'a dénoncé corruption qui gagne dans la police par rapport avec implication paquet policier qui a collaboré à gang bien sin Karnik la gueule qui dans gang tout simplement t'a supposé le plus rapidement possible bon vetting qui fait dans institution la police. Vetting ça, il t'a pral permettre pour yo laver l'air, pour yo font clean up dans l'institution. Au moins le ça, yo a bon bilan. Yo a konne si gagne 30 oranges qui étaient dans panier, c'est 30 oranges qui ka manger. C'est 30 oranges yo ka utiliser. C'est 30 oranges qui pas risqué ba nous votre fait mal, qui pas risqué empoisonner le système nous. Ça veut dire qui ça? Vetting dans l'air, t'a pral faire, il t'a pral permettre à ce que le la police kounye a ta pral gen opération pour mener, le la police ta pral gen intervention pour yo faire, yo ap koune groupe policier sa yo qui participe, yo ta fè briefing avec yo, groupe policier sa yo qui te la, qui ta recevoir l'ordre, qui gen plan de mission, nan men, etc. C'est 10 policiers nous ka fè confiance. C'est 10 policiers nous connaît qui crédible. C'est 10 policiers nous connaît qui honnête. Mais mes amis, depuis le DG a monté,
Depuis les premiers ministres sont montés, depuis les gouvernements fonctionnaient, nous ne pouvons pas attendre aucun liste qui sorti par bon côté direction générale de la police pour nous informer le public. Là. Nous t'étendons de crier, nous t'étendons de parler, parole en pile qui t'a dit sous la police, nous menons enquête, mais qui ça nous joue, mais qui disposition nous prend, mais qui mesure nous prend pour nous empêcher, pour nous éviter dans la prochaine opération, dans la prochaine mission qu'a bien pour faire, pour même bagaille yo pas reproduit. Parce que là, là, compatriote haïtien fraîche. Puis gars, déjà la police sera monormi, il comprend ni gè quatre blanches, il pas gè quatre blanches. C'est seulement tic tac c'est horloge qui a tourné, c'est montre là qui a tourné et c'est note n'a prend entre-temps. C'est note n'a prend pour nous wè qui ça le cabay comme résultat. Parce que avant même il était rentré dans fonction, il était gè temps gè une idée de qui ça situation. Est-ce que l'état d'urgence sécuritaire qui prend, il y a des quoi? Oui, il y a des quoi. Est-ce que l'état d'urgence sécuritaire qui prend là, il y a aidé? Oui, il y a aidé. Mais ce qui plan yo gagné pour avancer, c'est qui ça? C'est qui ça? Mot d'ordre l'empralier? Et c'est comment la police pral réagir le plus rapidement possible? Comment yo pral réceptif par rapport avec. Et par rapport avec détresse population, par rapport avec situation crise qui gagne en dedans pays en matière de sécurité. N'avancez dans l'article. Bien. Dans certains pays, les forces de l'ordre font usage d'appareils de communication encryptés dont le signal ne peut pas être capté facilement. La police nationale d'Haïti ne dispose pas de tel système. Ça veut dire système noir. Son système, il a piraté à n'importe quel moment. Son système qui plein faille. Son système qui t'a mérité pour gagner en volonté tout par bon côté CSPN, non, pour yo faire appel à des experts, moun qui connaît le domaine, tout ça, pour yo dire, mais qui ça nous voulait pour la police. De avril 2024 à juillet 2024, avril, mai, juin, juillet, trois mois après, tu as supposé qu'il y a des dispositions qui prend. En dedans institution la police ta supposé gen enquête qui mené qui ka abouti avec des résultats pour yo prendre dedans institution pour empêcher de pareilles dérives. N'avance. Et plus généralement, l'usage de nouvelles technologies de collecte de stockage et d'analyse des informations, l'emploi stratégique de drones et de technologies anti-drones ainsi que des caméras de surveillance reste extrêmement limité. Selon des policiers et des spécialistes contactés par Aïboposte. Question drone, question anti-drone et information côté au fait stockage de données. En l'institution de la police, ça mérite une véritable réforme qui fait. Une véritable réforme qui doit être faite parce que la police, quelque part, a essayé de comprendre. Nous, même la justice pays, nous vulnérables. Dans le sens que les n'a gardé dans le greffe tribunal. Bandi an mi débarqué avec machine yo la kase greffe tribunal la pote ale kof dossier yo prend dossier yo ale pa gon base de données et technologique pou yo di mais ki sa te fait mais ki déclaration patrimoine ki te fait mais ki dossier t'a traité maintenant ki phase et procès a te etc. Depuis yo kason greffe tribunal et nan pays yo tout dossier classé tout dossier a obligé classé sans suite parce que quand on pral joindre preuve yo. Quand on prend joindre des éléments ou pas joindre parce que toute bagaille c'est manuscrit, c'est écrit, c'est à la plume etc. pas gain en base de données technologique. Et ça c'est même bagaille dans tout par rapport avec et par rapport avec et lieu de stockage, comment yo a stocké données tout ça en dedans institution la police. Nous pouvons lutter contre les gangs, mais nous avons besoin de moyens matériels ainsi que de solides séances de formation, déclare un autre policier, dont les gangs ont incendié la maison à Carrefour-Feuille en 2023. Ça, son policier qui a parlé, qui dit que yo capable de goumer contre bandits. Pas de bataille, pas de goumer, c'est qu'on peut goumer. Yo capable de goumer contre bandits. Yo seulement besoin de bon moyen matériel et également, yo a besoin des séances de formation solides, bonnes formations. Pour aider au faire face avec question et tactique, question stratégique, tout ça. La PNH fait face à un problème personnel. Ça, c'est question et qu'il y a avec l'institution la police, effectif policier qui te gagne en 2022 et quantité policier qui gagne jeudi.
Mais ce qui intéresse nous, c'est plus l'aspect matériel, c'est plus l'aspect technique institution. Dans ça, yo continue pour yo dit. La police, dans le cadre de cet article, les agents ont demandé l'anonymat pour se protéger parce qu'ils ne sont pas autorisés à prendre la parole. La police possède quelques drones, mais leur usage ne semble pas rentrer dans le cadre d'une stratégie globale et systématisée selon des spécialistes. Ces appareils nécessitent également une formation adéquate pour une manipulation efficace ainsi qu'un usage intelligent et des informations recueillies. La PNH avait par exemple fait usage de cette technologie lors d'une opération ratée menée à Village de Dieu le 12 mars 2021. Donc c'est à partir de 2021, la police nationale d'Haïti va commencer à utiliser drone. Pas saisi nous, ok? À partir de l'opération côté Neg Iso dans Village de Dieu, été massacré 5 agents policiers, 5 policiers soitiers, eh bien c'est à partir de là. La police pral utiliser drone, la police pral utiliser et support aérien. Un support aérien qui journée jodi en vient presque et paraît et disproportionné. Disproportionné dans qui sens? Hier m'a suivre. Et est-ce que m'pa gagne image ça yo là? OK, m'pral permettre nous garder avec moi. Dans image ça yo, j'en va regarder là et bien c'est ISO Village de Dieu, c'est image drone ISO. Hier pendant nous ouais policiers kenyans yo mettait pied à terre yo dans char et yo a fait comment on t'a relé ça. M'pa prele gen moun dans décrire l'opération, c'est pas ton opération mais plutôt et pour moi plutôt c'est ton défilé le son défilé. C'était un défilé que t'as fait et sous champ de Marsan, bon palais, à la grand rue etc. Mais si son opération véritable qui t'a fait et nous connaissons fief bandi c'est en bas la ville, nous connaissons grand rue bandi occupé, donc t'as bon moyen pour opération mener. Donc là dans l'image ça on a regardé ces images drone. Pendant policiers kenyans yo même policiers haïtiens nous yo mettez pied yo à terre. Yo a te, yo nan chan, eh bien, en lè ISO li même, li a contrôlé tout petit détail, ISO gen kontrol, et blende yo gen kontrol policier yo. On pare image, rapide vite, automatiquement te dwe interpelle autorité yo pou l'di autorité l'état yo. Non! Gen des dispositions nous dwe prendre, gen des mesures nous dwe prendre, nous pas ka kite, et risa a continue. Donc, c'est là, nous pral comprenne, lè yo a parlé de matériel anti-drone. N'a besoin. Si gon véritable opération k'ap mené nou konnen ISO pral fly et pral et fly drone ni bandi pral fly drone ni, faut gagner matériel anti drone. Faut gagner des dispositions qui prend pas bon côté CSP, mais c'est là. Faut que yo commencer suspendre voler l'argent paysan. Suspendre gagoter l'argent paysan, les gon l'argent qui disponible pour ministère de la justice sécurité publique, les gon l'argent qui disponible pour PNH pour assurer nous l'argent fait ça l'argent doit faire. Mais c'est pas détourner le mettre dans poche nous, c'est pas gagoter, faire corruption etc., etc. Parce que le tel temps pour la police gagner moyen opérationnel, gagner moyen technique dans mais matériel dans mais le mener opération. Donc là c'est image drone ISO, image la police pas gagner hein? Parce que la police pas gagner drone là. Yo pas de gros hélicoptère là pour faire couverture aérienne pour yo. Voilà réalité nous trouvons nous journée jeudi. Donc, il y a extrêmement important pour gagner des considérations qui fait. Donc, dans l'article, en gros, tout ça qui dit dans l'article, moi-même, rete quoi, c'est pour permettre à ce que PNH, yo reconsidère stratégie, yo, dans la bataille, yo a mené contre gang, dans la bataille, yo a mené et contre insécurité en tout bon. Parce que si c'est même plan stratégique de 2006 à 2021 qui a adopté là, eh bien, a bien pile faille. Si gen faille, a bien échec. Automatiquement, gen échec, pas ka gen résultat. Donc, moi-même, toujours remè dil. M'pa moun ka veye malheur pour m'di m'te wel. Si nous ka intercepte pour éviter drame, pour éviter malheur, puis bon. Ton BPN a chance, c'est livrer pays en davantage dans mes bandits. Échec ou opération, ou bien n'importe opération la police mené, c'est renforcer capacité bandio, c'est bailler bandio plus confiance dans tête yo, c'est bailler bandio et plus latitude pour yo simailler terreur pour yo simailler la troublaille.
Nous pas veiller chaque premier ministre Garry Cognac, aucun gouvernement, aucun équipe. Moi même toujours dire et m'a continuer dire. Avant même premier ministre Garry Cognac était rentré. Avant même que tu prends fonction. Tout récemment tu passé son pour nous, tu t'es partagé avec nous vidéo là, le conseiller président et le docteur Louis Gérald Gilles, il était comme il te dit premier ministre Garry Cognac était tellement kembe conseil présidentiel dans sans souffle tellement après les conseillers présidents Leslie Voltaire te dit oh Cognac ça son problème ni oui tellement kembe nous dans gorge bah ça yo. Donc s'il t'a gagné parce que conseil présidentiel là vend ni comme un monde qui était dévoué pour cause qui te montre un intérêt pour Haïti. Donc s'il t'a monté, s'il t'a montré tout dévouement ça, il t'a montré toute envie ça pour le camper, pour le défendre Haïti, pour le gommer pour Haïti, pour le venir faire bagarre pour pays, qu'elle fait parce que c'est pas l'heure pour le venir souterrain, pour le prendre connaissance de réalité. Et toute équipe là me toujours dit elle valable pour chaque grand monde. C'est pas qu'on y a pral konnen gen sécurité, on pral konnen gen bandi, on pral konnen gen gang, on pral konnen moun ap mouri, etc. etc. Bien avant, ça yo ou te doit supposer gen tan gon stratégie, gon plan. Gen moun m'a regardé réaction pile zami sur internet là et qui dit que état d'urgence sécurité là, c'est temps perdu, c'est vinn réduire liberté moun, etc. etc. Nan pays Salvador, président Nayib Bukele, si m'pa trompe, m'kwè yo te déclaré état d'urgence sécuritaire qui t'est même prolongé pendant yon l'année. Chaque mois. Renouvelé chaque mois. Renouvelé. Li prend le mois janvier pour février, fini février pour mars. Mars pour avril pour mai, ainsi de suite. État d'urgence sécuritaire dans le pays Salvador, c'est censé passer yon l'année. Mais pendant état d'urgence sécuritaire là t'est décrété, a t'ai action que t'as posé. Tu as des décisions que tu prends. Pas aucun problème à ce que l'état d'urgence sécuritaire décrété dans le pays. Au contraire, si ça a aidé, si ça a boosté, si ça a porté résultat, encore mieux. Mais pas prétendre que nous prenons l'état d'urgence sécuritaire et pour nous renouveler chaque mois sans que déjà nous pas commencer à mettre les bandits dans les petits souliers. L'autre point état d'urgence sécuritaire, c'est d'où les bandits ont privé souliers. C'est d'où les bandits ont paré pour goumer. C'est d'où dit bandia, c'est où autorité, c'est où paré pour faire la loi. Et non, adresse à la nation que qu'on était fait premier ministre, il déclarait bandio m'a parlé avec nous. M'te dit déjà m'a prédit encore. Déposer les armes nous, reconnaître autorité l'état. Créole parler, créole comprendre. C'est comme ça premier ministre Garry Cognac il dit. Donc si nous décrétons état d'urgence sécuritaire ça. Et puis c'est dans rance, c'est dans bêtise nous vinn passer pays pendant grand mois ça. En vérité. Moi peut-être qui cap gain pour vie ni cap préparer là si pendant mois état d'urgence sécuritaire ça pas gain des décisions concrètes qui pas gain action qui poser, pas gain après le pitris dans mois cap gain pour venir. Et pas oublier Garry Cognac avec toute équipe lui. Pas oublier gouvernement ça date limite pour nous si on font bagay pour nous est-ce que véritablement y a ka résoudre sécurité a pour arriver faire élection pour arriver dégager dans espace 2 ans c'est rentrer des classes pral di nous véritablement pral di nous en réalité est-ce que y a bien sécurité si d'ici juillet août pour septembre pour l'école ouvri. Nous, ti mari pa monte, ti mari pa descend, c'est moun ki continue à courir, qui te kayo pour bandi. Nous met tout mette de men en tête pour nous rele en mre pour gouvernement ça parce que yon pa vin régler en merde. Yon pa vin régler en rien. Donc c'est depuis la veille pour qu'on ait ce que fait Abel. Donc là, c'est la veille. État d'urgence sécuritaire, c'est la veille. Et grand défiance d'ici septembre pour réouverture des classes. Gros bagay qui est important. Premier ministre Garry Cognac. Li adresse la avec média en ligne, li prend temps pour parler avec média en ligne. Vous comprenez? Moi même dans domaine nan konn ki sa réalité en yé. M'gen reporter et qui a fait travail de terrain, qui a cherché et k'ap chercher donné, k'ap fait travail li, k'ap fait job li, qui sait chercher information pour nous informer public là. Nous connaît risque yo, mais nous connaît danger yo. Risque pour lui qui n'a là où il a fait travail
Danger en pile fois, là yo trouvé ou non situation qui exposait autorité yo autant que yo même. Parce que hier, c'était occasion pour premier ministre pour mettre lumière sous entre guillemets. Bon, est-ce qu'on peut dire entre guillemets? C'est pas entre guillemets son réalité parce que moi même toujours aimer dire nos vérités à Jean-Lié, c'est pas ni hier ni jodi à m'a parler, m'a pas aborder point ça. En pile fois nous la police depuis sous LB, bon, même avant LB, sous Léon Charles, etc., leur opération, leur intervention qu'a fait. Bon, seulement, c'est seulement 12 mars 2021, il y a pas de médias en ligne dans le village de Dieu, dans le cadre d'intervention de la police qui a mené. Mais après ça, nous remarquons, depuis ce côté, la police présente, la police a mené, a fait une intervention, a mené une opération, li souvent direct. Li tout temps direct ou passe sous média sa li en ligne ou passe sous ça li live. Oui travail média c'est informer population. Nous toujours aimer dire pendant n'a informer population pendant nous voulons informer population de ça qui passé mais faut nous chercher minimiser risque. Risque non seulement pour reporter là mais tout pour policiers ça yo, pour militaires ça yo, qui yo même al risque vie yo pour yo bataille contre gang contre bandi pour yo rétablir sécurité en dedans pays yo. Moi moi te crois personnellement c'est seulement peut-être Haïti dans Caraïbes bloc a jeune une pareille situation. Hier imagine ou m'a regardé vidéo hier et bon. On croit m'gen quelques images, li tap important pour me faire nous garder et ça m'a dit ya et c'est vraiment important on aller là. OK. N'ap gade nan imaj sa yo. N'ap gade la et n'ap gade nou wè on paquet reporter. N'ap gade reporter yo, bon retourner ces images sa yo qui intéresse m. N'ap gade nou wè quantité jeune garçon, jeune femme, téléphone yo nan men yo, y a fait reportage etc., y a filmé, y a pris image. Yo pran image pour yo permettre nous même k'ap garder nous même k'ap ba information yo pour nous gagner des éléments à charge pour nous montrer pour nous dire mais qui ça bagay lan teye mais comment bagay lan ta fait véritablement mais son gros danger li oui son gros danger parce que m'ap suivi hier non et sous grand rue ça la police arrive sous grand rue côté bandi a tiré coup de balle côté bandi a tiré et sous le policier yo et puis on regarder tout image ça yo li live la privé joint nous tout image ça yo li live même Jean moi-même quand on écrase le téléphone moi regarde n'a regarder comment yo lagué à délanté yo a couru parce que yo pas voulait rater spectacle faut que yo joigne image pour nous diffuser on connaît sacrifice on connaît risque et on connaît exigence en tout nous même qui gagne média yo. Nous tout temps dit et reporter yo, nous besoin le fait de l'action, nous besoin image, nous besoin ceci, nous besoin cela. Là, mettez pression sur yo. Mais à un certain moment de la durée, faut nous comprendre le danger qui gagne non seulement pour yo, mais également tout pour policiers yo qui engagé yo dans bataille. Et véritablement le premier ministre Garry Conille, il fait appel avec média pour suspendre faire et diffusion live ou bien dit n'importe information qui ka mette vie policier yo en danger par rapport avec opération mais ne m'comprenni moi dans domaine non moi c'est travail moi et c'est pas parce que c'est travail moi qui fait m'obliger fermer j'ai sous vérité a vérité a m'connait le ka déranger en pile monde ni ka froisser en pile monde mais sous réseau a gon compétition gè sous réseau an, et dans médias en ligne c'est qui est ce ka plagé avant pour qui pour faire plus views qui pour faire plus abonnés, qui pour traîner plus monde d'elle, qui pour faire parler de lui. Et c'est ça qui fait en pile fois, yo pas penser danger yo, yo pas minimiser risque yo. C'est ça qui fait en pile fois, yo pas vraiment faire bagay yo dans sens yo ta supposé faire là. Yo seulement laguer, yo seulement prend, yo seulement poster, laguer etc. etc. Mais je ne jodi on vle. Malgré mon connait quelques confrères qui fâché, mais vle que nous faire bagay yo autrement. Nous voulons nous faire bagaille autrement. Sinon, après les têtes, nous, et il y a un peu de monde qui fait nous confiance pour nous informer, pour nous bailler information, il
faut que nous fassions bien, faut que nous fassions bien pour moun ka toujours comprendre, ka toujours ouais, ka toujours comprendre travail na faire, li gen équilibre, li objectif, tout ça. Et pour nous faire ça, nous pas besoin exposer et la police affaibli policier parce que même j'aime quand on écrase le téléphone moi. Monter sous tel média moi qui live nan kadon déploiement la police fait qui pral nan base bandi nan fief bandi même Jean Izo karet la ka li dra le téléphone li monter sous mon média tout l'a suivre et pas coup policier l'a suivre pas coup chayo donc ça douyer c'est pas comme ça Izo te fait l'elle mettre drone ni sous tête policier yo donc ou pensez si yo te gen nèg sous place à terre c'est pas stopper la police t'a stopper yo c'est pas courir la police t'a fait courir ou bien c'est sous réseau à même Jean X, Y, Z, gade l'an, bandi yo gade l tout pour yo faire activité gang, pour yo continuer et terroriser population. Donc, il y a extrêmement important. Oui, travail média, c'est informé, mais nous devons faire, et nous devons faire pendant minimiser le risque. Nous devons faire pendant que, et des séances de formation, nous avons toujours fait pour reporter, yo, nous avons toujours fait pour. Ba konnen pou aide yo non seulement n'ap aide yo mais n'ap kembe yo en vie tout n'ap aide yo professionnellement n'ap aide yo tout parce que le sa y ap konn ki risque yo dwe pran a ki risque yo pa dwe pran moi m toujours dit la vie pa gen prix en depuis donner pote so ka fè pour informer ou bien pour défendre gouden pour défendre 50 centimes pour subvenir avec besoin faut qu'ou ka toujours minimiser risque non seulement pour ou pour entourage ou et pour pas mettre la vie l'autre monde en danger c'est job policier pour sécuriser et protéger population mais le policier a vu non situation bandi en face journaliste et soit sous côté ou bien derrière donc là il vient non dilemme il vient non dilemme parce que l'a besoin protéger vie pal pendant la bataille bandi l'a besoin protéger vie pal et le cas même difficile pour le protéger ou même qui soit à côté ou même qui soit d'elle. Donc mes amis, on nous repense bagay yo parce que bagay yo vraiment yo un peu compliqué. Mais tout monsieur si autorité yo te prend toute disposition préalable pour t'empêcher que et bagay yo fin détériorer, dégrader comme ça, journée jodi an bagay yo pa comme ça. OK, même là nous t'a dit média en ligne et nous t'a connait véritablement qui ça qui avant tout un média. Rôle un média, mission un média, travail yon média et bon tout profiter ouvre une parenthèse dans dossier artiste méchanceté a et m'a regardé sur réseau en pile des informations en pile et en pile vidéo k'a posté moun k'a fait buzz sensation k'a dit des séries de bagaille qui pas vrai des séries de bagaille mettez des séries de titres juste pour attirer moun vin regarder donc ça yo pas gè place yo pas gè place yo le konsa nou pas ka continuer après les têtes nous médias et leur conseil tout gien pile monde qui pas prendre au sérieux préfère au fond bagaille qui crédible ou fond bagaille qui vrai si pas connait ou faire pour views pour informer monde préfère informer monde avec vérité que ou bali des menti sous base que ou informer les pour induire en erreur ou faire propager et de fausses informations. Donc et puis faut que nous suspendre jouer avec sentiment moun. Dans le moment côté famille et un jeune garçon bien important tout avenir de devant bien écrété, il disparaît pendant le Bahamas et gain pile information qui a circulé et sous question de disparition mais famille pas encore aucune nouvelle, famille pas encore jambe et de manière officielle dit mais qui s'est passé et pour regarder sur réseau tout le monde qui était contre ça passé sur famille moun là. Ni pas normal. au moins gon petit peu de nu font ti lever niveau parce que l'on lever niveau ou lever tête tout ou respecter tête tout et puis moun a respecto ça li extrêmement important. Et puis on nous pas parler dans ça nous pas fin connaître. OK? Bon, bien, n'avancer, nous gagnons Laurent et on s'en sincère. Nous gagnons on s'en sincère qui lui-même c'est ancien secrétaire d'État et justice sécurité publique. En 2019, François Saint-Cyr était secrétaire d'État, il était grand plan de sécurité spéciale. Eh bien, aujourd'hui, il décide d'adresser là avec Premier ministre Gary Conny. Nous prenons le temps ensemble avec moi dans Boti Mamite, tout détail, toute explication que François Saint-Cyr lui-même lui a bail et par rapport avec le plan Silla, il manifestait pour aider pays encore.
Par contre, s'il était aidé là avant avec plan, parce que de 2019 à aujourd'hui, il y a toujours une question d'insécurité. Mais il peut parler, il y a extrêmement important pour nous entendre ça la dire et puis pour nous faire commenter en parlant. On a les. Il y a un problème qui gagne la structure gouvernance Haïti. C'est là qu'on a un premier ministre qui est chef CSPN et puis il a discuté de la table. Il n'a pas même compris le terme, il n'a pas compris le côté pour aller. Et c'est le chef. Et c'est le chef. C'est le cap décidé. Il est capable les grandes lignes. Il est capable les moyens. Quel problème ça a sorti ici, non? La constitution. Et Jean Haïti est là en termes de sécurité. Il prend trop de temps pour autorité CSPN comprendre ce qu'a fait. Moi-même, si c'est moi qui suis premier ministre, non seulement qu'on qui opération qui pour bail résultat. Rapide. Mon compte qui profil commissaire tout qui pour exécuter. Mon compte qui moyen et qui a discuté de plan même avec pendant ces semaines avec eux pour avancer et pour nous ajuster au fur et à mesure que le plan a progressé. Là, sans ça, je décide sur un plan que je travaille avec plusieurs experts, anciens militaires, anciens policiers, avocats, nous décide sur un plan justement qui prévoit le laxisme de force multinationale. Je ne dis jamais que vous avez qu'une force qui a créé nous vraiment. Vous avez créé une perception. Vous avez accompagné nous pour nous faire élection, pour nous venir lui-même, qui a créé le résultat que nous voulons, qui a durable pour Haïti. Si force a créé Haïti sécurité, Haïti a gagné déjà. Parce que dans l'histoire, nous force venir plusieurs fois déjà de passer un paquet de cob, garder côté de l'économie. Le plan PAM est basé d'abord sur un plan national, côté force là, à venir, la créer sur PAN pour l'accompagner. Que au travail dit, que au pas de travail, nous avons atterri à place. Extrêmement important. Deuxièmement, comme homme de dialogue, parce que nous travaillons avec plusieurs gouvernements, il faut qu'on dialogue qui fait pour nous gagner en cohérence, une vision pour Haïti sur 20 ans. Et ensuite, il faut dialoguer sur une nouvelle constitution. Pas grand. Pile temps même travail avec plusieurs gouvernements, moi faiblesse constitution. Et il est tellement simple, moi-même, Gary. Il y a au moins 15 documents. De nouvelles constitutions là qui existent. Qui existent. Minimum. Avec deux réunions avec le secteur, rapidement, on peut prendre l'essentiel pour remanier la constitution. Pour fond. On ne peut pas dire une nouvelle constitution, ça on l'a souhaité, mais rapidement. Amendement. Nous amender pour nous avancer, pour nous faire élection. Parce que l'élection, c'est pratiquement l'an 21 et 22 mois. C'est un fait vraiment. Nous t'as supposé déjà mettre structure en marche pour aller à l'élection. Donc, comme homme d'État, c'est comme ça, moi parlé. Mais comme citoyen, c'est une idée. Cap gardé, on peut cap souffrir, on peut qui traumatisé, qui sortit en 4 ans gouvernance avec Jovenel Moïse, défunt, que nous saluons l'année. 4 ans de turbulence, de pays loc. Un président qui assassiné la Cali. Ensuite, un gouvernement, ça fait 2 ans là, on ne peut pas parler plus de quoi il s'agit. Qu'on a fait grand espoir, qu'on y a là, et puis là, regardez, vous voyez, espoir là, comme si Dado a effrité. Comme citoyen, ça a fait mal. Ils ont été la gare, on ne peut pas dire qu'il faut un résultat rapide, non? Mais, signaux que nous attendons, qui vous donnent un espoir sûr, un avenir très proche là, nous pouvons voir. D'accord. Revenons à la sécurité. Comme vous êtes ministre intérieur, donc vous participez dans CSP, etc., vous êtes DCA dans la police nationale, et tout le monde connaît que. Secrétaire d'État sécurité publique. Donc, aujourd'hui, disons mieux, oui, aujourd'hui, M. Saint-Cyr, il faut aider
il faut aider dans la logique, dans la compréhension, dans l'analyse, pour qu'on construise, pour qu'on ait des compétences, pour qu'on quitte tête nous. Qu'est-ce que ça doit être fait de manière claire pour qu'en fait nous commençons à diminuer la problématique insécuritaire? Est-ce que c'est il faut organiser, il faut monter des opérations? Est-ce qu'il faut nous investir dans le renseignement? Est-ce que gagner des unités spécialisées pour nous bailler des formations? Est-ce que nous devons demander plus d'aide avec la communauté internationale pour venir aider nous raser côté de zone de non-droit, au territoire perdu? En fait, dans plein de gagnants, donnez-nous quelques éléments essentiels. En termes de sécurité, surtout dans Haïti, je ne crois pas même quoi que 50% de ce que vous faites est capable public. D'accord. Mais il y a un minimum qui n'a pas de monter avec des amis qui comptent sécurité bien. Je parle de anciens militaires, de anciens policiers, de juges, d'avocats, de chita bon table. Pendant deux jours pour nous monter en plan sécurité, il y a un qui est extrêmement important d'abord, c'est l'enseignement. Enseignement. Pas de renseignement? Gros problème enseignement. Nous clair sur ça. Pas de renseignement. Ou du moins, il est mal utilisé ça gagne. Ou bien, il n'est pas adapté à la situation. Ça, c'est bagarre de gabou, c'est bagarre privé lié. Afin de retirer Météa. Oui, c'est oui. Côté de poilé, c'est 20 mois prêté. C'est côté de poilé. Ouais. M'a pas dit encore. Qui leur prend décision pour le peuple là? C'est ça. M'a pas dit encore. Dans la perception, ok, et l'exécution. On n'a même pas la perception. Parce que ça m'a pas besoin de toi. Son manque est grave. Il y a une perception. Regardez moi même, parce que papa m'a des militaires, il y a que moi, il y a que moi vive. Il y a des commandants. On est nommé commandant Gonaïve, pas de Facebook, non? Pas d'Internet. Depuis que ça a tapé, quand général, bang, si vous avez été converti, achetez Bible normale. Pour l'église. Ou en perception, et pas d'Internet. Ça veut dire, bon pour notre exemple, ça veut dire, dans 80 chats, dans Kenya ou Gagné, environ en bas, ils ont pris toutes mesures nettes et puis ils font tourner dans la zone métropolitaine. Chats a défilé, n'est pas mais loup de marmé, sirène toute bagarre, c'est déjà une perception. Une perception et ensuite articulée avec un service discours, hein, un service de renseignement qui connaît. Comment opération pour le faire. Et puis, il y a Bandi a senti que lui-même n'est pas à l'aise. D'ailleurs, par rapport à discours, il n'était pas à l'aise. Et puis, peuple a tout la confiance pour le marcher à la police. Donc, régime qui là, donc régime qui là semblait deux gouttes d'eau jusqu'à présent à Gabriel. Grand pile monde qui dit ça. Ouais. Lui encore tôt. Mais pour vous voyez aucun message concret qui fait la différence. Lui encore tôt, dans tout le monde qui dit, mais il n'y a pas aucun message concret qui fait la différence. Et ça, pour moi, c'est extrêmement difficile pour l'accepter. Est-ce que ce type de comportement capable de mener une élection libre, honnête et démocratique? Ça qui fait que, quand on tient inquiétude, si vraiment il y a un conflit de pouvoir et de poste, ça peut vouloir dire aussi que. Et ça, il faut éviter. Que la volonté, puis qu'on mette soit par l'État, puis qu'on gagne l'élection, ça fait que les gens qui pas dans le système n'avaient peur. Et c'est des corrections pour CPTA, avec le Premier ministre, pour rapidement mettre tout le monde en confiance pour aller dans l'élection. Par contre, c'est 100% libre et démocratique, mais il faut qu'on ait un minimum de perception. Que tout le monde ait le même privilège, tout le monde ait la même latitude, puis on fait campagne, puis on a les réactions. Ça, je pense que le bonheur est capable de correction et est capable d'avancer plus ou moins comme ça. Alors, nous allons introduire David Sondier rapidement. Mais juste avant, dans la place de Gary Gonny, je dis, puisque vous êtes postulé pour une Premier ministre, dans la place de Gary Gonny, je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons monté une équipe solide.
nous choisir ou bien monter en plan équipe, en plan d'opération mm-hmm. sur deux mois qui prend en compte mm-hmm. toute structure de sécurité qui existait dans le pays. Que bien structuré, que beaucoup bien structuré. On parle de la police, mm-hmm. l'armée, et puis ça, tout net. Chaque structure, de façon, il y a un cas utile, le schéma de sécurité. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs, ça, il y a des layers, il y a plusieurs, on dit, espaces pour couvrir l'opération dans n'importe quel pays. Que le militaire, que le de police. Un, on plan comme ça. Deuxièmement, on service de renseignement et d'intelligence pas qui adapté à la situation et qui est extrêmement important. Mm-hmm. Troisièmement, les moyens. Quatrièmement, on lancement. D'ailleurs, c'est un erreur assez très très grave pour l'armée en condition D, pas aucune opération qu'a faite. Mm-hmm. C'est l'offre qui fait ça. Côté toute structure intégrer l'emplant, laisse ça. Ou quand mettez l'armée en condition D, ensuite la police, convoquer les policiers, mettez en alerte puis avancer. Et puis on discours fait, mm-hmm. et puis après le discours fait, regardez, pendant que les journalistes ont sorti la conférence de presse, le peuple a été senti comme il a fait, bandit a été senti coincé. C'est ça, oui. Ça prend des moyens, les gens qui connaissent pas table, parce que les 5-6 nègres, après réfléchir sur un plan d'opération, vous m'avez capté quand même qui est adapté à la situation et qu'on est obligé d'ajuster au fur et à mesure que vous progressez. Parce que voilà, très dynamique, plan mettre en place le 14 juillet, le 17, il faut ajuster. Mm-hmm. Et puis, bon, c'est lieu de suivi de plan d'opération qui pourrait le premier ministre avancer. C'est ça pour le premier ministre Gaï Koni fait. Mm-hmm. Si ce n'est pas ça à le faire, on a perdu du temps. Nous avons toujours une opération cosmétique. Nous avons une sécurité superficielle juste pour la consommation de l'international. Nous faisons élection pour le monde d'avenir. Il y a 5 ans pour ça à faire. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais en termes de résultats concrets, ce n'est pas où ça le faire, c'est le temps qu'a perdu. Mm-hmm. Il est encore tôt, mais on veut les signaux. On veut les messages. Gaïgoni, il fait des changements, opérer des changements dans cette PNH là. Et il y a des changements qui annoncent tout dans le commandement, ou du moins sur l'état-major, l'armée d'Haïti. Est-ce que l'action ça est rassurant pour vous en ce qui a trait au rétablissement de la sécurité dans le pays? Les gens ont importance. Mm-hmm. Mais est-ce que les gens qui étaient là, ont des instructions, puis ont agi en fonction de capacité, ont des mm-hmm. moyens? Mm-hmm. Pour me connaître, si je prends un exemple qui est très banal pour mm-hmm. comprendre. Pour me connaître, si par exemple on servante par contre faire manger, mm-hmm. faut me déconner si il y a un ingrédient demandé pour le faire manger. Mm-hmm. Si je change le bim, l'autre monde qui vient pas, j'aime bien épices pour faire manger, pas besoin de bon goût. C'est le résultat. Le résultat. Mm-hmm. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Mais sécurité, pas seulement la police, mm-hmm. ni l'armée. Il faut un bon signal qui sorti, une volonté qui sorti au plus haut sommet de l'État. Ma pour vous dire encore. Ça extrêmement. Moi-même, l'homme de la police, je ne peux pas rester dans le monde, mais nous avons des situations qui ont développé dans le pays. Et puis, un signal autorité qui dit telle bagaille, telle façon, à partir de. Je dis, il faut faire ton audience. Quels sont les moyens? Papa, bon, laisse ça regarder. Les policiers vont les gens déraper. Regardez, là, bon résultat. Je veux le signal là. Je veux un plan bien ficelé. Ok? Et je veux les moyens. Scoop. Et ça qui est important. La police pourrait pas faire. Ce signal ça, qui fait que la population fait plus sa confiance. Quoi, l'état pas là, qui pas croisé bras, qui était là. Moui, juste parce que plus ça a vint plus mal, la route au pouvoir. Et ça, extrêmement important. Mm-hmm. Extrêmement important. Mais quoi, la force locale, ces gens ont articulé, ces gens ont moyen. Par quelle force internationale à elle seule qui a la solution, à moins qu'on fait une table de gaz chez nous. Si ça, on fait, bon, bref.
on a fait. On a besoin de force pour faire ça. David, c'est pas ça qu'on a fait. On fait. David, comment nous? Nous saluons Dario, nous saluons M. Saint-Cyr et tout auditeur, internaute, téléspectateur, émission ça. Nous allons parler de l'insécurité avec élection. Et première question que je vais poser, c'est un constat personnel. L'organe du Premier ministre Kony, est-ce qu'on fait de question sécurité une priorité? Constat personnel. C'est ça qui dit dans le discours, d'ailleurs, le chef du CSPN, c'est une responsabilité pâle. Est-ce qu'on fait de ça en priorité ou bien est-ce que de gon approche qui adapte la situation. Pour me dire que le pas fait de ça en priorité, pour me dire que de très mauvaise foi. Il est encore tôt pour me porter en conclusion comme ça, au moins et quelques jours. Encore trop tôt. Mais rapidement, il est capable de changer le ton. Retravaille avec l'équipe qui sont l'autre plan de sécurité pour l'avancer. Parce que j'en dis à l'incorto, même si c'est signal, je ne peux pas dire que je ne peux pas de priorité, parce que je n'ai pas un élément assez pour ça, même si tu as moins tout, je ne peux pas de priorité. Mais je ne peux pas de priorité faite pour que je ne farine pas pas dans le même sac. Voilà. Même moi. Je besoin de signal pour tout le monde que farine a changé sac. Je ne pas accusé parce que je n'ai pas tout élément. Parce que je ne pas quoi c'est ça tout. Je ne pas quoi de Kavina pour ta travail à son propre échec. Monsieur Saint-Cyr n'a parlé de question insécurité. Mais disons qu'il a commencé pour arriver là. Et il y a une série de monde, y compris au même. T'es participé dans l'aspect ça. Premier bar, il m'a posé comme question dans ce sens-là. Comme renseignement, qui s'acrivait le plus souvent avec comme renseignement? A noter que vous êtes ministre intérieur. Nous avons aimé que vous baillez la République une explication sur ça. Parce que quand pile parole en pile qu'a fait sous comme ça, qui le plus souvent. Fait l'autre route, il n'a pas fait ça, supposé faire. Pour comme renseignement bien utilisé, il faut d'abord que structure de renseignement travaille en mouvement. Il faut qu'on ait une volonté citoyenne. Parce que là, comme l'amour, qu'on ne peut pas justifier. Et là, il y a un règlement sur base mensuelle. Pour utiliser le bien pour PIA, faut gagner conscience. Pas grand pire haïtien gagner conscience ça. On va pas l'accuser personne monde parce que monde qui parle pas ça, tu es capable faire même bagaille. Maintenant, c'est responsabilité autorité yo pour mettre des résultats. Si mon commencement pouvait périmètre sur FM non. Pendant 6 mois pour rien pas arriver. Comment manger comme là? Qu'on va manger là? Si pendant 6 mois rien pas arriver. Même problème. Même problème avant. C'est le résultat de jouer. Peut-être son mari joue faire comme là pour la sécurité. Ou payer magicien pour faire. Même la sécurité. Mais c'est le même résultat que là le pose problème. Parce qu'effectivement, comme là, je ne sais pas accuser quelqu'un directement de te bagaille. C'est soit comme là fait en mauvais route ou bien renseignement. Mal faite ou bien information mal utilisée. Ils sont pays compliqués tout. Ou qu'on fait des dépenses de renseignement. Et puis, ah, j'ai un bon paquet de Paul, tête en bas tout. Ce n'est pas faux. Il y a des routes tout. Mais ça tout. On ne peut pas dire que tout le monde a une situation. Bon schéma. C'est vrai, il a fait mauvais route, mais c'est aussi vrai tout qu'il a mal utilisé. C'est aussi vrai tout que le service qu'il a, sécurité publique là, intérieur à la police, qui n'ont pas accordé au niveau de côté. Parce que son pays pauvre,
très peu de moyens, très peu d'argent, capable de faire quelque chose. Donc, quand il y a là, chaque monde a complètement bon enseignement, il faut que le Premier ministre demande qui ça sorti dans moi ça, bon petit rapport, qui ça gagne comme information et qui opération maintenant avec l'opération. Et voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, nous sortons d'intervention, on s'en sincère par rapport avec question sécurité paysan, par rapport avec nouveau gouvernement premier ministre Garry Conilan, ça qui t'a supposé faire divers paramètres lui-même lui considérer. Donc moi me rete quoi tout ça qui vient pour avec intérêt paysan, tout ça qui vient pour avec stabilité paysan, tout ça qui vient pour avec on aller mieux progrès pays d'Haïti. En tant qu'haïtien, nous devons camper, nous devons impliquer nous. Et gros bagage qui est extrêmement important, faut me passer sous lui, faut me dire nous. Et 16 septembre, parce que nous est septembre, vraiment été focalisé sur date ça, sur moi ça, parce que oui, c'est moi pour parents retourner ti moun yo l'école. C'est pas moi pour parents yo a courir serrer ti moun nan caill parce que bandi toujours, mais c'est moi pour au moins yo ta commencer mettre moun yo en confiance. Donc, si 16 septembre nous est rien pas ta fait, nous est situation pas ta améliorer, nous est pas ta gon aller mieux. Eh bien, d'ici là, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, comment nous avons dit, nous ne prenons pas prière, nous ne prenons pas parole. Nous ne prenons pas prière, nous ne prenons pas parole. Et à ce moment, nous supposons mobiliser nous supposons regrouper nous supposons unir nous, mettre tête collée. OK? Pour nous bailler pour voir l'État, on répond sur ça parce que nous avons assez. Nous avons chuté assez. Si on pas arriver délivrer marchandisant, eh bien on pas ka continuer tout à jouer privilège, on pas ka continuer à gagoter l'argent bien passé sous misère nous, sous souffrance nous, nan courir nous, nan kidnapping nous, nan viol nous, nan assassinat nous, jamais au grand jamais. Créole parler, créole comprendre. OK, Jean PM nan te dit créole parler, créole comprendre. Non, eh bien nous même tout le ça pour nous dire yo créole parler, créole comprendre. Compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est là, n'a mettez un bouton dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous te porter information si là pour vous. Restez connecté à la plateforme pour la programmation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paula pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bras la balle pays, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick, l'on même voix. On y est.